C'est Stéphane Edouard, et puis c'est surtout l'ère du coronavirus, Covid-19. Alors vous avez remarqué que la programmation de la chaîne, évidemment, était légèrement modifiée. J'essaierai d'alterner, de ne pas surpondérer les informations de cette conjoncture difficile que nous traversons. Néanmoins, quand j'estime avoir mon mot à dire ou quand j'estime avoir une compétence qui peut être utile à la communauté, en la matière, ben, j'ai envie de la partager. Donc là, en l'occurrence, par rapport au télétravail auquel nous sommes tous confinés, ben, moi, comme ça ne change pas grand-chose, hein, mais je travaille depuis chez moi depuis 15 ans, mais j'ai eu l'idée comme ça de vous noter un certain nombre de conseils, de bon sens, de bonnes pratiques. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Je vais en lister seulement les 5 premiers ici. La suite, c'est sur le blog, c'est gratuit. Il y a pas de, vous n'avez aucune contribution à fournir en échange. Pour ceux qui veulent passer aux choses sérieuses, j'ai pensé à isoler, si vous voulez, mes 5 formations les plus utiles en ce moment. Donc, la peur, avoir un réseau, survivre à la routine, motivation de ne rien lâcher et guérir et se reconstruire plus fort. Ce sont les 5, parmi mes 140 demi-journées de formation, ce sont les 5 que j'estime les plus pertinentes à survivre au contexte actuel. Et jusqu'à la fin du confinement, elles sont à moins 20%. Donc, vous n'aurez pas l'excuse de ne pas avoir le temps de les consulter. On est tous enfermés, c'est justement pour se priver des excuses habituelles, pour s'auto-former, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son chez-soi, corps et esprit. Moi, je vous fournis l'esprit, je vous laisse faire le reste. Donc voilà, moins 20% sur les séminaires peur, réseau, routine, ne rien lâcher et se reconstruire plus fort. matconsulting.fr, c'est jusqu'à la fin du confinement. Alors par rapport aux habitudes de télétravail, bah, je vous ai promis les 5 premières, ça va être les suivantes. La première, c'est de vous forcer à suivre le rituel de l'habillement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le fait de s'habiller comme si on allait sortir, même si on télétravaille, ça permet de marquer le début et la fin de la journée. C'est très important de savoir de ne pas d'éviter de commettre une erreur que j'ai commise à titre personnel, qui est d'un moment de fondre les moments où on travaille et les moments où on ne travaille pas. Donc on va se retrouver à bosser au lit à minuit, à quelques secondes de s'endormir, et puis on va se retrouver à rien glander au milieu de la journée. Bon, à un moment, quand il y a une confusion entre les phases de travail et les phases de repos, ben on perd le sommeil, ou en tout cas on gagne un sommeil de mauvaise qualité, ce que je vous déconseille à tout prix. Donc le fait de le rituel de s'habiller le matin et ensuite de se mettre le soir à l'heure où on décide de s'arrêter de travailler, en tenue plus confortable, finalement, en tenue un peu de glande, en tenue de maison, comme on disait quand j'étais enfant. Eh bien, ça permet de ritualiser le début et la fin, et bien sûr, sauf cas d'urgence où on peut s'y remettre, je vous assure que ça vous sera bénéfique et profitable sur le long terme de savoir quand vous commencez et quand vous vous arrêtez. Certains vont dire, les plus psychorigides, les plus orthodoxes vont dire, oui, mais il suffit de commencer et de finir à heure fixe. Bon, moi, je n'y arrive pas à titre personnel. Depuis 15 ans, je ne suis jamais arrivé à me décider de commencer à travailler à 8h, à 9h, etc. Je commence parfois après, parfois avant, souvent avant d'ailleurs. Mais ritualiser d'une façon ou d'une autre le début et la fin. Je vous conseille en secondo de commencer toujours par le plus difficile. Je l'ai détaillé, ce conseil-là, dans un podcast VIP. Les VIP, ce sont les abonnés qui ont les conférences gratuites, les études de cas gratuites et les contenus supplémentaires, comme celui-ci et bien d'autres. Vous n'avez aucun intérêt, en fait, à rimandare, comme on dit, à décaler la tâche qui vous inquiète, qui vous pèse, qui vous stresse, parce qu'en réalité, plus vous la décalez, plus finalement, au long de la journée, l'angoisse va peser et vous allez sous-performer sur tout ce que vous allez faire avant. Donc, je vous conseille de commencer par le coup de fil le matin, par le coup de fil qui vous angoisse, par la page que vous devez écrire pour ceux qui écrivent un livre, par la feuille d'impôt pour ceux qui remplissent leurs impôts. Commencez par le pire. C'est la solution finalement la moins pire. Troisièmement, découpez votre journée en petites tranches. Oui, on n'est pas très performant quand on se lève le matin et que notre horizon temporel, c'est le soir. Parce que le soir, ça paraît très loin. Hein. C'est un petit peu comme en dissertation, au lycée, à l'école. Quand on avait 4 heures, on avait l'impression que 4 heures, c'était très long. Puis finalement, on sous-performait pendant 3 heures et puis on surperformait pendant la dernière heure. Pourquoi? C'est parce que psychologiquement, l'horizon mental, le plus lointain, un des plus lointains possibles,
pour se mettre en condition de performer efficacement, c'est en général 1 heure, 1 heure 30. C'est ce que j'appelle dans mon article le paradoxe du fumeur. C'est que le fumeur, il perd de nombreuses demi-heures dans sa journée à faire des pauses clopes devant la société, mais en réalité, à la fin, il en fait autant que vous, alors qu'il a bossé moins que vous. C'est parce que il calcule son temps en fonction d'horizons temporels beaucoup plus brefs. Hein. Il faut que j'ai fini tel dossier avant la prochaine clope, il faut que j'ai passé tel coup de fil avant la prochaine clope. Je ne vous dis pas de vous mettre à fumer, je vous dis que c'est une très bonne habitude, paradoxalement, que de découper votre temps en petits horizons temporels très très brefs. Quatrièmement, quand vous butez sur une difficulté, votre pente, votre réflexe risque d'être de vous encroûter, de prendre racine finalement et d'aller chercher du divertissement. Donc réseaux sociaux pour les uns, consultations, jeux pour les autres ou consultations de je sais pas quoi. En réalité, quand vous butez sur une difficulté, levez-vous, faites autre chose, même si ça n'est pas directement du travail, même si c'est du repassage, même si c'est autre chose. C'était mon professeur de latin au collège qui nous avait expliqué ça, c'est qu'en réalité, si vous avez suffisamment réfléchi à un problème avant, vous pouvez vous lever et partir faire autre chose, et il vous habite toujours, et en réalité, vous continuez d'y penser, et vous continuez de le résoudre, même pendant que vous vous livrez à une tâche domestique ou à tout autre chose. Cinquième et dernier conseil, enfin, on n'en est qu'à la moitié, les autres, encore une fois, je vous les invite à les découvrir dans l'article, dont le lien figurera à la fois dans le coin de l'écran et ci-dessous. Eh bien, bougez, alternez les positions de travail. Ne prenez pas racine. Tout ce que je vous suggère d'éviter, c'est la position allongée, parce que fondamentalement, la posture que vous allez adopter va être celle qui va dicter votre caractère du jour. Donc évidemment, si vous vous allongez, vous donnez à votre système nerveux, entre guillemets, tous les signaux pour se mettre au repos et ne pas se mettre à l'activité. Donc, entre assis et debout, alternez aussi souvent que vous voulez, faites des étirements de temps en temps, levez-vous par terre pour ceux qui ont un beau tapis ou une belle moquette bien propre. L'important, c'est de changer souvent. Pourquoi? Parce que je l'explique dans le séminaire productivité. En réalité, notre énergie vient beaucoup de la circulation de notre liquide céphalo-rachidien, qui va de l'occiput au sacrum en passant par toute la colonne vertébrale. Et ça passera par le fait de bouger, par le fait de s'étirer, et certainement pas par le fait de sédimenter en point fixe, prendre racine, comme disaient nos grands-parents. Bref, voilà, une dizaine de petits conseils très simples comme ça. Je vous invite à les partager avec quiconque serait concerné par le thème du télétravail, à les retrouver sur le site et également en images qui sont comme ça plus simples à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures du confinement. Je sais que mes compatriotes français n'en sont qu'à leur deuxième jour. Ici, on en est au 8 ou 9e, donc ça devient un petit peu la routine. Voilà, on s'y fait les amis, on s'y fait.